autonomie, elle ne nous est pas forcément acquise, elle nous est aussi parfois donnée. C'est un peu le rôle du manager, quoi. S'il me donne une certaine autonomie, ben, si j'ai les capacités, je la prends et ça fonctionne. Ben, moi, mon équipe, c'est les choses que je peux plus mettre en avant. Il y a pas mal de choses qui ressortent que je pourrais avoir mis, mais ouais, l'écoute, je trouve. La confiance dont il me fait preuve, quoi, tout simplement, quoi. J'ai pas de problème pour lui dire les choses, pour lui exprimer ce que j'ai à lui exprimer. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'obstacle, c'est fluide. Quel que soit le degré d'importance de ce que je vais lui proposer. J'accorde beaucoup de temps à cette partie-là parce que ça passe pour moi par tous les échanges qu'on peut avoir, que ce soit des échanges plutôt officiels, un point mensuel, des réunions, etc. Et ensuite, par tous les échanges qu'on a au fil du temps. Et plutôt que d'être tout seul dans leur coin, se dire « j'ai quelqu'un qui va pouvoir me challenger pour trouver la bonne solution ». Il y a un rendez-vous mensuel ou tous les mois et demi, qui est la bilatérale, où là, ça permet de juste de faire prendre de la hauteur, en fait. Pour moi, c'est ça l'objectif. Il est la tête dans le guidon dans l'agence, et il y a un moment de se poser, de prendre de la hauteur, voilà. Donc, par plein de moyens différents, les chiffres ou juste la discussion, ou juste l'échange, ou une ethno, ou, enfin, il y a plein de moyens de prendre de la hauteur. Et c'est, je pense, comme ça que je peux lui laisser le plus d'autonomie, quoi. Si je suis collaborateur et que je reçois un bravo qui est authentique sans condition, c'est super important aussi. Ça déclenche beaucoup de choses, quoi. Ça déclenche la confiance, ça déclenche l'envie de refaire, l'envie d'expliquer comment j'ai pu faire. Donc une certaine autonomie, en fait. Parce que si tout ça, ça fonctionne, ben, je passe un cap et je deviens de plus en plus autonome. Donc c'est super agréable pour tout le monde, quoi. La plus grande fierté, c'est d'avoir créé une équipe. Voilà. Il y a l'équipe, il y a les clients et il y a les résultats. Notre vision un peu plus terrain, terre à terre, c'est d'avoir réussi le développement commercial de l'agence depuis 3 ans. Ça peut être super simple, en fait, d'avoir pris l'énergie et le temps de découvrir qui j'étais. Je te fais confiance.